Gaston Petit, bien sûr, parce que je pense que les garçons avaient à cœur de ne pas justement céder des points à Gaston Petit. Mais écoutez, on a pris une bosse ce soir sur la tête, il faudra pas en prendre une deuxième. Après le résumé du match, je pense que l'entraîneur vous l'a fait. Pour moi, bon, le pénalty n'est pas retiré, mais on ne va pas polémiquer sur la décision arbitrale de M. Auroux. Écoutez, on le connaît assez bien. On sait que c'est quelqu'un qui use bien de la biscotte. Chose qu'il a encore fait ce soir, écoutez, on ne va pas le critiquer. Après, je suis déçu pour... Je n'irai pas plus loin, si ça vous fait plaisir. Après, je suis déçu pour le groupe, parce que je parle du groupe, parce que ce groupe-là ne mérite pas ça. Sur le match, il n'y a rien à dire. Bon, on a des occasions, eux, ils ont des occasions. Le pénalty, je l'ai visionné avec l'ensemble du staff technique. Le pénalty n'est pas retiré, donc c'est un scoop. Il y a un arbitre qui a encore fait... sa règle ce soir, surtout quand il annonce à Rudy Haddad qu'il est rentrant. Vous pourrez tous regarder que Rudy Haddad n'est pas rentrant au moment du tir de Kevin Constant. Voilà. Donc c'est une fois de plus, c'est un peu dommage.